Bon, l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons suivre ensemble cette fin de match. Il reste un peu moins de 2 minutes de jeu entre Dijon et le Paris Saint-Germain. Match comptant pour les quarts de finale de Coupe de France. Et le Paris Saint-Germain écrase cette équipe de Dijon, 1 but à 5. Alors oui, mon prono est complètement foiré. Franchement, je pensais pas qu'on allait leur mettre 5 buts, frère. Avec une équipe remaniée hein, de la part de Thomas Tuchel, c'est normal. Ce week-end, on se déplace à Amiens. Et frérot, là, c'est quoi? Plus mardi approche, plus je suis excité, plus je suis impatient. C'est, tu vois ce que je veux dire? C'est un mélange de tout, d'impatience, d'excitation. J'ai un peu les nerfs, je suis, tu vois, j'ai la tête là, elle n'est qu'à mardi. Et on va essayer de débriefer ce match, cette victoire écrasante. Oui, le match n'est pas terminé, mais bon, il y a 1-5, on va se qualifier pour les demi-finales de Coupe de France. Logiquement, tu vois, un match outrageusement dominé par le Paris Saint-Germain. On a marqué très très tôt dans ce match avec, les gars, Bakker à l'origine du premier but dans ce match. À la première minute, ce centre très très puissant de la part de Bakker, un centre à rater, ça a été détourné par l'eau, par quoi, c'est quoi son blaze déjà, l'Otoa, hein, qui marque contre son camp. Après, les amis, on a attention à Aouchiche, dégage-moi ce ballon, mon petit Adil, tu viens de rentrer, t'as déjà fait une erreur tout à l'heure, dégage la balle. Parfois, les gars, je sais pas ce qui se passe avec nos joueurs, il y a des manques de lucidité, des manques de concentration. Bon, c'est pas trop grave, il y a 1-5, frère. On va pas reprocher quoi que ce soit à nos joueurs. Bref, ensuite, bien évidemment, j'ai toujours mon petit, ma petite feuille avec mes notes. Ensuite, les amis, Dijon qui revient dans la partie avec cette erreur de passe de la part d'Herrera. Herrera qui ne regarde pas si autour de lui, il a un coéquipier. Il passe ce ballon un peu aveuglément. Et ce ballon est récupéré. Là, je suis, t'es quoi? Je vous débriefe ça, les gars. Mais j'ai envie que Cavani marque son 200e but, les gars. Donnez-lui ce ballon. Et là, un but en direct. Sarabia, les gars. Sarabia, c'est l'homme de la Coupe de France. C'est le Parisien qui a marqué le plus de buts en Coupe de France. Et ce soir, il marque son doublé avec, juste à l'instant, une belle passe de la part d'Mbappé. Mais voilà, toi qui me suis sur Snap depuis tout à l'heure, je sens le 200e but de Cavani, mais malheureusement, je crois que ça ne sera pas pour ce soir. Bref, les amis, là, c'est un peu brouillon le débrief. Tu l'as remarqué, t'as vu, en même temps, je suis le match, la fin du match, c'est un peu brouillon, mais tu commences à avoir l'habitude. Le but, il est beau. Bref, je disais, les amis, Chouillard, hein, qui récupère cette mauvaise passe d'Herrera et qui vient égaliser à la 13e minute. Là, tu te dis, putain, un relâchement bête. Tu vois ce que je veux dire? Une passe bête, tu n'as pas regardé autour de toi. Et faire cette erreur à ce niveau-là, c'est impardonnable. Donc, Dijon qui égalise à la 13e minute. Mais après, les gars, c'est tout. Ça y est, après, les gars, on les a écrasés. Les Dijonais, là, merci hein, pour ce match, les Dijonais. La moutarde était bonne, succulente, un peu piquante. Mais se manger 6 buts, ça fait mal au derrière. Pour petit rappel, les amis, Dijon, c'est la dernière équipe, hein, depuis le début de saison, c'est la dernière équipe qui nous a battus en Ligue 1. C'était au mois de novembre, et je me suis trompé dans mon avant-match. C'était dans mon avant-match, j'ai dit le 01-11-2012. Je suis parti loin, frère. Pourquoi j'ai dit 2012? Non, c'était le 01-11-2019. C'est la dernière défaite que le Paris Saint-Germain a subie, toute compétition confondue. Depuis, on a enchaîné que des victoires et quelques matchs nuls. Bref, le match est terminé, les amis. Victoire écrasante du Paris Saint-Germain. 1-6. Donc, à la 44e minute, juste avant la mi-temps, Mbappé. Mbappé qui redonne l'avantage au Paris Saint-Germain. Et j'ai un ami à moi sur Snap. Et il a lu dans mes pensées, frère. Sur le but d'Mbappé, j'ai eu cette toute petite, cette infime pensée. Je pense que toi aussi, tu l'as eu, cette pensée. Kylian, pourquoi tu ne l'as pas mis à Cavani, tu vois? Kylian qui a voulu la jouer solo, mais Kylian qui a fait preuve d'efficacité. Mais voilà, je ne vais pas te mentir, franchement, j'ai eu cette petite pensée qui m'a traversé l'esprit, mais là, à Cavani pour son 200e but. Ensuite, les amis, retour des vestiaires, Silva qui marque le 3e but du Paris Saint-Germain, c'est son premier but de la saison à Thiago Silva, qui marque sur un coup de pied arrêté, un corner tiré par Sarabia.
le ballon qui voilà qui suit son chemin, qui se et le ballon qui vient se poser sur la tête de Thiago Silva. Ensuite, tu as Sarabia qui vient mettre le quatrième but à la 56e minute. Ensuite, tu as Mbappé à la 86e. On va lui accorder, mais c'est plutôt un CLC. On voit que Kylian veut centrer. Et malheureusement pour les Dijonais, c'est contré par un défenseur Dijonais. Ça finit au fond des filets. Et là, les gars, juste, on l'a vécu ensemble. Le sixième but de la part de Sarabia. Les changements côté parisien. Bernat est entré à la place de Silva. Et sincèrement, ça m'a fait plaisir. Je l'attendais, le retour de Bernat. Franchement... Et j'avais un peu peur, tu vois, je me suis dit, mais quand est-ce que Bernat va revenir? Quand j'entendais Tourelle en conférence de presse qui nous disait, non, Bernat, pas tout de suite, non, Bernat n'est pas dans le groupe. Là, tu vois, je commençais à m'inquiéter parce que un Bernat contre Dortmund, les amis, ça sera indispensable. On a besoin d'un Bernat contre Dortmund. Donc, Bernat qui est entré en cours de jeu. Ensuite, Kurzawa qui a pris la place de Meunier. Meunier qui a fait un bon match, mais Meunier toujours un peu galère avec ses sons, toujours un peu trop fort. Et ensuite... En fin de match, tu as eu Aouchis qui est entré à la place d'Herrera. Revenons les amis, je sais même pas pourquoi je ne le fais pas plus tôt, sur la compo parisienne alignée ce soir par Thomas Tuchel. Le 4-2-4, Navas dans les cages parisiennes, Meunier latéral droit, Bakker latéral gauche. Et là franchement c'est un bon coup hein, de la part de Thomas Tuchel. Bakker qui a besoin de temps de jeu, Bakker qui a fait tout le match et sincèrement il a fait un bon match. La charnière Kerrer associée à Silva. Au milieu de terrain, un milieu inédit, Kouassi associé à Herrera en tant que milieu récupérateur. Et on va s'arrêter un très court instant, les amis, sur Kouassi. Tanguy Kouassi qui enchaîne les bonnes performances, qui monte en puissance de match en match. Tourelle, tu lui fais de plus en plus confiance. Et moi, ce joueur, je le trouve séduisant. Son jeu est séduisant. Et on l'a vu, Kouassi qui fait preuve de sérénité, Kouassi toujours serein dans ses récupérations, serein dans ses interceptions et serein dans ses transmissions. Et franchement, je le sens, je sais pas pourquoi, j'ai ce pressentiment que ce jeune va devenir un grand joueur. En tout cas, je lui souhaite. Et offensivement, les amis, on a eu Draxler milieu droit, Sarabia milieu gauche, mais les deux joueurs ont permuté tout au long du match. Et offensivement, on avait ce soir Mbappé associé à Cavani. Donc voilà les amis, un Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a outrageusement dominé ce match, qui a mis une sacrée correction à cette équipe dijonnaise qui n'avait plus perdu à domicile depuis le mois d'août. Toute compétition confondue. Donc voilà, un Paris Saint-Germain qui est venu et qui s'est imposé en tant que patron. On retrouvera les demi-finales de cette Coupe de France en espérant qu'on aille jusqu'au bout. Mais là, je sais pas pourquoi, je le sens cette année, les gars, on va tout prendre. On va prendre la Ligue 1, on va prendre la Coupe de la Ligue, on va prendre la Coupe de France. Et espérons, ce soir, t'as vu, je mâche un peu mes mots. Espérons qu'on aille le plus loin possible en Ligue des Champions. Mais là, je sais pas, frère, je sais pas si tu ressens comme moi. J'ai pas trop envie de m'avancer, j'ai pas trop envie d'ouvrir ma bouche, mais... Ce déplacement à Dortmund, je le sens bien. Je sais pas, j'ai un bon pressentiment. Il y a un bon collectif. Il y a une bonne ambiance au sein de l'effectif parisien. On enchaîne les bonnes performances. On met des scores. Hein, c'est le moment de le dire. 1-6, c'est une raclée, frère. Donc, j'arrive plus à trouver les mots, frère. Tout est bien en ce moment, tout est bon pour que le Paris Saint-Germain brille contre Dortmund. Bref, les amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et on se retrouvera vendredi pour l'avant-match Amiens-Paris Saint-Germain. Ça sera le dernier match avant le déplacement à Dortmund et je fais un gros clin d'œil, un gros big up à la team Paris. Ici, c'est la passion qui m'a fait ce magnifique t-shirt. Donc voilà, n'hésitez pas les amis, allez sur leur site internet Paris, ici c'est la passion, tout en attaché. Allez passer commande et n'oubliez pas le code promo Aboudis pour bénéficier de -10% sur votre commande. Ciao l'équipe.